Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 18 de la carrière avec le Sporting Club de Braga. Et oui les amis, et nous sommes de retour avec au programme un petit match. Strela Damadol, ils sont 10e à l'extérieur. Très important, il restera plus que 3 matchs, 4 matchs de championnat, soit 12 points. Et on est très bien, on a 7 points d'avance sur le Sporting qui a le même nombre de matchs que nous. On est pratiquement, je vais pas dire pratiquement sûr d'être troisième, mais on est bien parti. On a, en tout cas, si on gagne ce match, il me semble, d'après le message, qu'on peut déjà se qualifier sur... où est-ce que c'est ? Une qualification à la portée de Braga. La rencontre du week-end se déroulera au Stade José Gomes, où l'équipe de Braga se déplacera afin d'obtenir un bon résultat dans l'optique d'une qualification continentale la saison prochaine. Avec des résultats favorables, un point face à Stade Amoureux pourrait suffire aux joueurs de Braga pour assurer leur place en phase préliminatoire de l'Europa Conference League. Donc quoi qu'il arrive, on prend un point, on est sûr d'être au moins 6e. Bon, je pense qu'on va même réussir à se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous kiffez. Donc on est parti pour ce match. J'aligne grosse équipe, hein, grosse équipe, puisque après on jouera que le 5 avril. Donc il y aura des périodes creuses. C'est pour ça que je fais juste un match, puisqu'après on fera Alverca et Bayern Leverkusen. Donc on aligne l'équipe type. Tout est bon. Il y a Matheus qui va partir. On a reçu une offre du Flamengo. J'ai parlé avec lui, il veut partir, mais l'offre n'était pas bonne. Je l'ai relancé à 1 million. Il y a Liverpool, Saint-Etienne, Elche qui se sont positionnés. Donc il va partir. Notre gardien de but emblématique. Et on est parti. Hein. On est parti avec cette équipe. Allez, rencontre, réunion tactique. Sélection de l'équipe, elle est faite. On valide tout ça. Allez, faut gagner. Faut garder le rythme. Les pointer du doigt. Allez, une victoire pourrait nous qualifier en Europa League, en Conference League. Ouh là là là, ils sont sur une forme très très mauvaise, cette équipe de Strela Damadol. Alors que oui, nous on a perdu le match contre Anderlecht, mais on est quand même passé. Mais oui, on a perdu 3-2. Anderlecht avait une très bonne équipe. On revoit le classement, 59, 52, 52, donc 7 points d'avance. On peut espérer peut-être que le Sporting perde des matchs aussi, ou qu'on soit sûr d'être troisième avant les prochains matchs. Et je joue Benfica le dernier match, mais bon, bah, je pense que là, il n'y a pas trop de surprises. On devrait arracher cette troisième place. Et gros travail qu'on a fait. Hein. Gros travail qu'on a fait. Attention au Campo. Oh, Tuta, est-ce qu'il y a hors-jeu? Non, je crois pas qu'il y a hors-jeu. Hein. Non, non, l'arbitre ne va même pas vérifier. Donc, on commence très bien ce match. Attends. Passer en... On est déjà en mini-résumé. Ok, on est parti. Ricardinho, Ricardo Horta qui va chercher Mario Gonzalez. Mario Gonzalez pour Ricardo Horta. Ricardo Horta face au gardien et qui ne tremble pas. Et Ricardo Horta qui fait une grosse, grosse saison, notre numéro 10. Wow, qu'est-ce qu'il est fort. 2-0 pour Braga déjà en 6 minutes. Oui, je disais, on a pris quand même, on est arrivé, c'était courant novembre, courant octobre. Le club était 15e. On a pris le club 15e et on va réussir au moins les qualifier pour les compétitions européennes. Et si on arrache la troisième place, c'est énorme. C'est énorme, Ricardinho face au gardien et qui bute sur un gardien, un Nakura. Et quelle saison pour cette première avec Braga. Bien sûr, au Mercato, il y aura quelques joueurs qui partiront. Mohamed Amoura, Matheus. Je pense que je vais perdre un des deux centraux. Il y a l'Atletico qui observe Queiroz. Mais il faudra un ailier gauche. Parce que Mario Gonzalez, il a 30 ans aussi. Il faudra surveiller. À gauche, un nouveau gardien. Et c'est à peu près ça. À droite, on a deux bons joueurs. Défenseur droit, on a Odriozola et Cannon. Peut-être Cannon, on pourrait le laisser partir et prendre une future pépite à droite. Mais il y a beaucoup de potentiel dans l'équipe.
Et je pense que l'année prochaine, on va essayer. Je sais pas si on pourra attaquer le titre tout de suite comme ça, mais en tout cas, tout dépendra du recrutement. Et franchement, si on est capable de taper Porto, Benfica, Sporting, on peut peut-être jouer le titre l'année prochaine. Parce que franchement, si on regarde depuis que j'ai le club en main, c'est très rare qu'on ait perdu un match. On a perdu, que je me souvienne, on a dû perdre un match en championnat contre Vizela, il me semble. Et un match en Ligue Europa. Hein. Après, c'est des petits matchs nuls. Voilà, ils sont complètement dépassés. J'étais dans la mono, il y a peut-être un penalty. L'arbitre qui va aller voir la VAR. Un penalty accordé. Et ce sera Ricardo Horta pour peut-être le 3-0 et peut-être un doublé pour lui. Il tremble jamais ce joueur. Il tremble jamais. Quel joueur. 17e but. C'est un doublé pour Horta. Ça fait 3-0. Mais clairement, l'objectif, hein, ça sera de gagner le titre. Hein. Faudra gagner le titre un jour. Hein. Non, franchement, ils ont des bonnes infrastructures, un bon centre de formation. Boudaoui qui a pris un coup. Possible, il ne veut pas sortir, mais handicapé par sa blessure. Ah, il ne veut pas sortir. Bon, on va laisser alors. 45 premières minutes de très haut niveau, vous les avez surclassés. Ah, ça fait plaisir quand tout roule comme ça et que t'as pas de changement à faire. T'as juste à regarder ton équipe jouer. C'est une merveille, franchement. Boudaoui qui essaie de retrouver Ocampo, mais c'est récupéré. Ouh là là, le gardien qui dégage n'importe comment. Une grosse occasion. Écoute, on va les féliciter. Et je pense qu'on pourra faire tourner un petit peu. On va bien évidemment surveiller la fatigue. Et Boudaoui, je pense que je vais le sortir. Parce que malgré qu'il veuille pas sortir, après il peut prendre 2 ou 3 semaines pour rien. Tiens, d'ailleurs, on va le faire tout de suite, le changement. On va mettre Luisao, qui a besoin de temps de jeu. Lui qui a été blessé. Et on va mettre Nketiah. Double changement. Et Raphaël Camacho, Bundu, qui tire dans les tribunes. Et Wichtreur d'Amodol, qui est un club emblématique des années 2006-2007, qui était en Ligue 1. Et depuis, ils sont plus jamais revenus. Là, ils sont en Ligue 2 actuellement. Oh, la passe magnifique pour Nketiah. C'est moi ou il a essayé de faire une Drogba bizarre? Attends. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire. Allez, Ricardo Horta, 3-0 dans ce match. Match à sens unique. Lui tire 4 cadrés quand même. 1,17 en expected goals. Ok, 73. On approche tranquillement de la fin du match. Et on va mettre... On va mettre Félix Correa à droite. Queiroz, Luisao, Odriozola, Ricardo Horta. Ricardo Horta qui s'avance pour Félix Correa. Félix Correa dans la surface. Attention, Ricardo Horta, Félix Correa qui attend du soutien. Il a pépé. Ouf, la frappe de 30 mètres qui est détournée par le gardien. Et on revoit Pépé qui cherchait Queiroz. Et Gutiérrez qui a pas fait un très bon match. 91e. André Ferreira. Non, un clean sheet s'il vous plaît. Ouf. Ricardo Horta. Guto. Rodriguez.
Bernat, André Ferreira, attention, attention. C'est bien, c'est bien, c'est bien, bon retour. Bundu pour Silverio. Bernat. Putain, ils le voulaient leur but, hein. Oh là là, ouais. Ouais, ça fait 2-3 minutes qu'ils étaient sur nos côtes, là. Bon, bah, un clean sheet en moins, dommage. Dommage. Mario Gonzalez pour Gutiérrez. Le match, il... Ouais. Comme par hasard, quand nous on est en attaque, ils sifflent. Belle victoire, belle victoire, ils se sont relâchés. Bon, c'est tout à fait naturel. Hein. Les mauvais résultats de Stella Ramadol ces derniers temps vous ont-ils donné l'espoir que vous pouviez gagner? C'est toujours un avantage de faire face à un adversaire en difficulté, mais on doit encore faire le boulot. Mes joueurs y ont toujours cru. Le but de Tuta vous a donné l'avantage. Oui, c'était un bon départ. Et là, pour l'instant, on serait à 10 points d'avance si Sporting perdait. Ok, victoire de Braga. Qualification déjà sûre pour la Europa Conference League. Boudaoui blessé 1 à 2 jours, ça va. Un Horta en grande forme. Tapoté l'épaule, vous avez été excellent. Ça, on va envoyer l'entraîneur adjoint. Des jeunes joueurs libérés. Observer lui là, un petit gardien. Rapport. Donc vous voyez là, on rejoue dans 15 jours. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est juste un petit épisode tranquille. Et après, ouais, ça va être du lourd, les amis. On va juste revoir le calendrier ensemble. Trois messages. Mario Pebava, Gomez Brie. Calendrier, les amis. Aïe, aïe, aïe. On jouera Alverca à domicile. Donc là, je pense qu'on fera tourner parce qu'on joue le lundi. Et on rejoue le 3 jours après, hein, quasi. Donc là, on fera tourner. On n'aura pas le choix. Et après, on jouera le match aller du quart de finale de la Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen qui est dans le mal. 45 points. 45 points, ils sont que 7e. Là, ils sont en forme ces derniers temps. Ils ont tapé Bruges, ils perdent contre Leipzig. Ils ont une phase ici, ils ont beaucoup perdu. Après, ils perdent contre les gros, ce qui est normal. Ils gagnent contre le Partizan, ils perdent contre Rubin Kazan, contre le Bayern. Bon, faudra se méfier. Je pense que c'est quand même un grand club. À domicile, on sera favori, je pense. Mais ça reste un gros match. Et en plus, ils intercalent avec Dortmund. Ça va être compliqué pour eux. Nous, on a la chance de pouvoir faire tourner. On aura un match plus accessible contre Alverca. Et on est pratiquement sûr d'être troisième. Donc, ça tombe bien. Donc, on fera ça, les amis. Alverca et le match aller contre le Bayer Leverkusen, les amis. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé. Sinon, tout simplement, revenez au prochain épisode. Ciao, ciao, les gars.